Salut les gamers, mission 7 et partie 7. Normalement, on n'aura pas grand chose à faire. Tous mes médecins, c'est déjà des spécialistes des psychopathes de la vie. Et on aura juste à répondre au courrier. Et au besoin, on sait jamais, à peut-être construire des salles en plus. Mais sincèrement, j'y crois pas. Et par contre, toujours des médecins qui meurent, toujours des patients qui meurent, bande de boulets. Ok, attends, j'ai tout. Niveau infirmière, c'est vraiment c'est la seule chose où il y a un doute. 2, 3, 4. 4 infirmières. 5 infirmières. En gros, il me faut 5 infirmières normalement. Par précaution avec le tremblement de terre, on va engager lui déjà. Hop. Fais ça, suite, et un deuxième pareil. Voilà, eux, ce sont les techniciens qui font tout l'hôpital. L'urgence, elle est réussie. Il me semble que j'ai compté qu'il me fallait 5 infirmières. J'en ai 6, c'est bon. J'ai même la petite en plus. Oui, je vous augmente. Oui, je vous augmente. Je vais vérifier. Est-ce que tous mes médecins sont consultants? Parce que si c'est le cas, lui va dégager de là. Pour l'instant, oui. Eh ben oui, ils sont tous consultants, donc mec, je sais que tout éclate, mais va trouver un boulot ailleurs. On va ralentir et je vais faire une salle de repos en plus. Petite salle de repos là. Ça va être cool. Alors, je veux tout de suite... deux jeux vidéo et un sofa en plus. 1, 2, l'extincteur, la plante, tout ça. Et la plante. On va prendre un sofa en plus. Et un jeu vidéo ou pas? Non, pas de jeu vidéo. Ah! Oh la connasserie que j'ai fait. Du coup, on va tenter d'aménager comme ça. On va aménager différemment. Une infirmière est demandée en salle des malades. Comme ça, du coup, j'ai pu caser mon jeu vidéo. Et la plante, on va la mettre ici. Allez, on met le truc à fond. Oui, je t'augmente. Non, ça passe très très bien, franchement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous se faire augmenter sans arrêt? La seule chose qui manque, à vrai dire, c'est les patients. Parce que là, on peut traiter les patients à la chaîne. Mais pourquoi faire? Alors en fait, de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer nous-mêmes. Parce que sinon, ils glandent tous là-haut. Voilà, comme ça, au moins, ils glanderont moins. Je vais vous trouver des boulots, t'inquiète pas, mec, je vais vous trouver du boulot que tu vas en décontamination. Toi, t'es quoi? T'es chirurgien? Et bah tu vas aller là. Voilà, tous les médecins ils sont occupés. Ah, allez, arrête de tuer des gens. Ouais, bon, là, allez le mec, il faut prendre de la thune.
La visite était nickel, toi je t'augmente. J'ai une double décontamination, double psychiatrie, double salle d'opération. J'ai de la maintenance de tous les côtés. Et les psychiatres, bouge les fesses là. Allez les chirurgiens, on va opérer. Arrêtez de vous toucher là. Ils opèrent en haut, ok. Je crois que j'ai perdu un médecin. Ah ouais, j'en ai même perdu deux en fait. Ah, j'ai perdu deux médecins parce que je les ai pas augmentés. Et bon, j'avais de la marge. C'est pas en perdant deux médecins que ma situation va devenir inquiétante. Fin de l'année. Alors c'est bon. Beaucoup de patients, beaucoup de récompenses. Ouais. Ta doigt nickel, franchement on y croit. L'argent c'est où? La valeur de l'hôpital c'est nickel, la quantité de soignés, la réputation. Ah donc il n'y a plus qu'à attendre encore un peu de sous, et bah c'est nickel hein. Il nous manque juste un peu de sous et c'est fini. Allez toi je te conserve. 180 000. Allez. Par ici les sous-sous. Ça glande de tous les côtés. Que des les trois quarts des médecins c'est des consultants chirurgiens psychiatres. Tu m'étonnes des glandières que c'est quoi. Allez on bosse. Ah et en plus la seule chose qu'ils savent faire c'est demander des augmentations. Non, arrêtez de tuer mes patients. Si vous les tuez, ça rapporte. Rapportez-moi. Est-ce que c'est possible d'avoir une vague de clients? Elle est 190 000. 191 000. Ils n'arrêtent pas. Une infirmière est demandée, un médecin est demandé, une infirmière est demandée, un médecin. Mais arrêtez quoi. Je suis pas comme si j'étais en sous-effectif. Je suis même en méga sur-effectif. Alors putain, elle est bossée, bande de fainéants. Arrêtez de tuer mes patients, vous en avez encore tué. Allez, 186 000. Oui, bien visité toi. Voilà, il y a eu une double annonce, du coup on n'a rien compris. Allez, 194 000, c'est bien, encore une augmentation. Les consultants, ça fait faire que ça. Hein. Du coup, attendez, j'ai combien de salaire? 94 000, 180. J'ai pas payé de salaire ou quoi? J'ai quasiment pas vu la tomber. J'ai pas vu mon argent tomber quasiment. 200 000. 200 000. Bon bah attends, il n'y a plus qu'à attendre le courrier. Allez, 205 000, allez, on est au 3 juin. Allez, envoyez. Ouh. Et du coup, ça va faire bosser la gens maintenant, là. Allez-y. Oh, j'ai perdu le scanner. Mais qu'est-ce que vous foutez, bande de glandeurs, quoi? C'est pas possible. Non, mais c'est juste une blague, quoi. Bien sûr, oui. C'est une blague, quoi. J'ai 40 000 mecs qui glandent et ils sont pas capables de protéger le scanner. Quoi? Bout de... Ma salle de moumoute aussi? Alors sincèrement,
C'est des boulets, mec. Bon, on va recommencer par le scanner. Étirer le tracé jusqu'à la taille voulue. J'ai la taille voulue là. Tu veux, je peux pas. Et dans ce sens-là, je peux pas. Ok, juste qu'il veut pas que je la construise là. Je veux mon scanner. Alors, vous n'allez pas m'embêter. Du coup, je peux même plus reconstruire mon scanner. Bon, au moins la salle de Moumou, je peux la refaire. Allez, la salle de moumoute. Tac, tac, tac. L'ordinateur, le moumouteur. Sincèrement, je vous félicite pas. Bande d'agents entretien en carton, quoi. Allez, quoi. Faut espérer que le scanner soit... Que quelqu'un n'ait pas vendu scanner en urgence, là. Je crois que limite la plante ici. Hop, dégage. Ok. Estimable Dame Zou, splendide. Vous avez admirablement géré cet hôpital. Nous, ponte du ministère de la Santé, souhaitons savoir si vous aimeriez prendre en charge un plus grand projet. Nous comptons sur vous. Le salaire serait de 34 420 000 dollars. Et ça là vaut la peine d'y réfléchir. Que diriez-vous d'aller travailler à l'hôpital de Manquer? Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, au niveau suivant! Donc, ben, on va couper l'épisode ici. Ça fera donc un épisode et demi. Donc, merci de m'avoir suivi et ciao tout le monde! Bye bye!